Please stand clear of the board. All aboard! Aujourd'hui, on va faire la course de 5 km du Marathon Weekend. Donc, on est à quelques minutes du départ, 15 minutes qui restent avant de partir. La ligne de départ est par là-bas. On est à Epcot, on voit Spaceshippers en arrière ici. C'est excitant! 3, 2, 1, go! C'est parti! Le départ se faisait dans le stationnement d'Epcot. Mais là, on est en backstage du côté de Test Track, juste ici. On va rentrer par ce côté-là, vers le parc. Donc, un événement de course, c'est aussi une bonne opportunité pour voir le backstage pour les curieux. On fait officiellement notre entrée dans le parc, par le côté du Mexique. On va découvrir le World Showcase. Côté du pavillon de la Chine. Sur le circuit, on a également des opportunités photo. Ici, on a Pinocchio au pavillon de l'Italie. On arrive dans le pavillon du Maroc. Regardez juste ici. Mais on prend une petite déviation vers le backstage. On a même la belle opportunité de courir dans la nouvelle section du pavillon de la France. Bonjour! Si on veut s'aider, il y a le Skyliner juste à côté. Ça va peut-être nous sauver quelques mètres. Mais non, on est capable. Il reste juste un mille à peu près. On arrive dans le pavillon canadien. Woo, Canada! On s'approche de Spaceship Earth. On est rentré dans le World Nature. World Celebration, c'est pas encore clair. Spaceship Earth. On arrive à la ligne d'arrivée! On vient de passer la ligne d'arrivée. J'ai reçu ma médaille pour le 5 km. Donc la première étape est faite. Donc demain, on va avoir d'autres courses. Puis aussi, en arrivant à la ligne d'arrivée, bien, ils nous donnent des boissons ou des petites collations là, pour bien se revigorer, pour qu'on puisse ensuite aller faire notre journée dans les parcs thématiques et recommencer le lendemain. Et une fois que vous avez votre médaille, bien, n'oubliez pas d'aller vous faire photographier avec. Des opportunités photo également après la ligne d'arrivée. Hey,